Lors de la meilleure comédienne, ce prix est doté par Begin et on va inviter Khaled Ben Aïssa et Laura Smith, deux des membres du jury, à nous rejoindre sur scène pour découvrir qui va remporter cette année le Bayard d'or de la meilleure comédienne. Bonsoir. Bonsoir, le FIF. Alors, on est comédien et nous avons souvent entendu que le comédien n'est pas obligé de réfléchir, que le comédien est au service de l'auteur et de l'histoire. Nous sommes heureux de mettre en lumière une comédienne par son talent, son courage, son engagement, ses choix, son énergie. Démontre que le contraire est possible aussi. La deuxième partie, c'était pour moi, mais c'est pas grave. Ah oui. Alors, je suis très heureux de remettre ce prix parce que être comédien, des comédiens comme ça, ça fait avancer Schmeblick dans ce certain contexte. Bravo pour elle. Le Bayard d'or pour la meilleure comédienne est attribué à Lubna Abidar de Much Love. Bonsoir, Lubna. Bonsoir. Je ne veux pas pleurer parce que j'ai assez pleuré après ce film. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment très touchée parce que la première chose, j'ai fêté mes 30 ans en parallèle avec le festival. Et ça, c'était vraiment magique pour moi. J'ai fait vraiment Much Love parce que j'y crois. Et j'ai beaucoup d'amour pour ces femmes. J'ai grandi au milieu de ces femmes et je pense beaucoup. Merci à Nabil Ayouch qui vraiment il a donné un voix, il a donné une image pour ces femmes qui pour tout le monde arabe on croit qu'ils sont des fantômes. Merci à moi parce que je ne me suis pas suicidée après toute la polémique et tout le mal que j'ai vu. Et vraiment, je le partage avec toutes les actrices qui étaient là sur place avec moi. Je pense très fort à la femme de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc et de la Libye. Merci beaucoup. Merci Lubna. Lubna Abidar, Bayard d'or de la meilleure comédienne 2015. Ce film, un match de Nabil Ayouch. Et on va demander à Lubna et Laura de bien vouloir regagner leur siège, mais reste...